Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo playlist tir à l'arc, découverte du tir nature à Chirac. Donc en fait, pour tout vous expliquer, on vient déjà de terminer parce que là on est il est 13h et je suis en train de repartir à la maison. Il fait pas un temps exceptionnel mais on a passé une super matinée. Donc on va essayer de vous montrer sur la vidéo avec des montages le principe du tir nature qui est un tir de parcours. Parcours à travers donc la jolie forêt au-dessus du village de Chirac à Lozère. Parcours de 21 cils. Le principe, on tire deux flèches de deux piquets différents en rouge-bleu avec un temps limite 45 secondes pour un arc à poulie comme le mien que vous voyez sur mes épaules. On a des arbitres qui surveillent le bon déroulement de la compétition, mais ça, parce qu'on est sur une compétition, mais on pourrait être en loisir. Et on a différentes catégories. Vous allez voir qu'en fait, on a fait beaucoup d'images avec Philippe, qui est un ami à moi, qui tire en longbow. Donc le longbow, c'est l'arc de Robin des Bois, des flèches en bois, des arcs en bois. Et puis, un peu en opposition à ce style de tir, mon arc est un arc à poulie, avec un viseur, avec beaucoup de vitesse, beaucoup de force. Et beaucoup de précision en fait. Donc sur le tir nature, on a un parcours de découverte de cibles, 21 cibles, mais ce sont des blasons, donc c'est des cibles papier. On aura l'occasion de faire une vidéo sur le tir 3D et vous verrez quelques images, quelques blasons, c'est toujours intéressant à voir. Bon, donc là, apparemment il n'y a personne qui suit derrière. Encore, on va pouvoir continuer un peu la vidéo. Je vais vous montrer le matériel qui est dans le coffre de la voiture. On va faire un peu le tour de l'arc et on va vous expliquer tout ça. Allez. Donc voilà, ça c'est l'arc que j'utilise depuis maintenant 5 ans. C'est un arc de fabrication américaine qui s'appelle Hoyt et qui permet effectivement d'avoir beaucoup de vitesse pour ceux qui sont des fans de technique. Il est normalement calibré à 340 pieds seconde, ce qui fait 110 mètres à la seconde à peu près. Il est réglé de telle façon que il n'y a quasiment que moi qui peux tirer avec, puisque je ne suis pas de grande taille, donc très court en allonge. On voit effectivement un viseur avec une fibre là qui est au milieu, avec un tout petit point vert qui brille par là. Voilà, on voit que sur la corde, on a une visette à travers laquelle on regarde là, et qu'on a une boucle pour tenir la corde. En fait, on accroche le décocheur là. Elle a dit.
la nature, ils sont en paix comme ça. Aïe. C'est pas le bois. Oui. Oui, il a pris le mais bon. Ou le toit, ou voilà. Un bois. Pour vous, c'est moi. Je sais pas s'il n'est pas pris piqué. Heureusement qu'il est là pour m'assurer. Je rappelle à mon frère.